Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur H2. C'est parti pour le boss de merde, en avant. Faire que ce coup, cet enfoiré. Voilà. Ok, apparemment il nous reste plus que Mr. Cross à buter et normalement ça devrait être la fin du jeu. Là, il a pas du tout la même voix par contre. Le titan colossal. Ils l'ont vraiment appelé comme ça. Ok, ça pue la merde, j'ai compris. Voilà, waouh, ça va être fantastique ça. C'est quoi, c'est sorte de où ces petites boules de feu de merde? C'est ton attaque ou celle de Prolet? Notre personnage qui essaye encore de claquer des punchlines de merde. Attends, il faut tirer où là? Thank you.
passe quoi là? Wesh! Le jeu devient fou. Il a failli freeze, j'ai l'impression. Tu perds ton sang-froid. Tu sais que tu ne peux pas gagner. Ah, ils aiment bien me faire faire des allers-retours, hein, c'est leur passion ça. Mais alors, ils ont vraiment donné au boss final deux attaques, c'est ce point là, et un laser sur sa tronche quand même. Yeah, n'oublions pas le laser sur sa tronche. Quel panel de coups exceptionnel. Par contre, je sais pas où il faut que je tire là. Non, je vois pas. Ah, c'est sur sa gueule, putain, mais c'est tellement pas clair. Genre ça brille en bleu mais très très légèrement quoi. Tu fais pas gaffe? Non, alors. Alors mais tellement pas. Mais tellement pas quoi. Je venais de dasher en plus. Comment c'est possible que je meure pendant le dash genre? Oh putain, reprends vraiment tout à zéro. Putain, mais casse les grosses couilles. Avec tous les putains d'ennemis qui vont rip-hop et tout là, insupportable. Bon, au moins je connais la position de tous les trucs à frapper. Ça devrait aller sensiblement plus vite. Et cette punchline là qu'on se retape une deuxième fois, c'est ton attaque ou celle de Brawley? C'est quoi? C'est quoi le but? C'est... En quoi c'est une punchline en fait? On sent dans le ton que c'était censé être une punchline mais... Je comprends pas en fait, sinon c'est de la merde, arrêtez. Allez, envoie-moi tes petits ennemis de merde, s'il te plaît, perds pas de temps.
Avec le combo 10 là depuis tout à l'heure, j'ai l'overdrive à l'infini. Waouh, putain, ça passe à 10 FPS des moments. T'as une explosion, ça y est, le jeu il va crasher quoi. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu devient fou, arrêtez! Mais putain! La lisibilité quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Il y a des trucs qui explosent sur moi, je sais même pas d'où ça vient. Et puis quand une fois que ça explose hein. On voit plus rien du tout. Voilà, c'est fini. Quoi? Hein? Putain, regardez, même le générique il lag quoi. Regardez le texte du générique, il rame. J'ai encore jamais vu ça. Le truc avance, genre ça. Oh putain. Mais quelle merde. C'est pas vrai. Et comment, à quel moment le générique il tombe là en fait? Je comprends pas. Enfin, c'est ridicule. C'est genre, ils ont mis le générique au milieu de nulle part. Tellement con, j'ai même pas envie d'essayer de comprendre. Je sais pas ce qui s'est passé lors du développement, je sais pas pourquoi ils ont pas abandonné le jeu. C'était vraiment de la bite. Vraiment rien qui allait, putain. Bon, est-ce que je peux pas passer ce générique de con, parce qu'on va bien se passer de se taper les noms de cette équipe, de ces champions là. Vous voyez, je vous avais dit que ça ne risquait rien.
Il lui fallait juste un petit cocktail reprogrammant à base de nanotrite. Moi je dis, vous avez eu du bol. Mais si j'ai pu sauver Walker de la mort, quelqu'un d'autre sauvera peut-être Cross. Vous avez besoin de moi. Donc on en est vraiment à là, genre le mec nous dit littéralement quelqu'un va sauver Cross, donc on a fait tout ça en plus pour rien quoi. Mais quel plaisir! Quel plaisir d'avoir mis un scénario bidon pour en plus que vraiment il y a rien qui marche quoi. Genre tout le scénario pour dire à la fin bah voilà, bah c'est bien, t'as fait vraiment tout ça pour rien quoi. Notre ranger est sur les chapeaux de roue. Le projet DAG a fonctionné comme un charme. Les clones de Cross sont hors d'état de nuire. Pour le moment. Quel dommage d'avoir frôlé la mort pour tout cela. Même lui, il te le dit. Oh, franchement, t'as fait ça pour rien, frère. C'est con, quand même. Hein. Cross aurait pu vous tuer tous les deux. Mais il est parvenu à inverser le processus, puisque Lily est allée te chercher. Il l'a échappé belle. Lily était sur le point de lui exploser la cervelle, tu sais. Quand tu iras mieux, il y aura beaucoup de travail pour le ranger de Vineland. Mais pour l'heure, peut te reposer un peu. Ce qui va surtout se passer, c'est que je vais fortement désinstaller ce jeu et pas du tout faire vos objectifs Ubisoft de merde. Je reste là. Et quand tu seras rétabli, on aura pas mal de boulot, Ranger. Et ils veulent bien insister sur... On va avoir pas mal de boulot, hein. Au moins 300 heures de petits objectifs de merde, hein. J'espère que t'es motivé, mec. Oh non. Il n'y a pas de boulot, là. C'est fini, là. Je sais pas déjà... Vraiment, pourquoi je suis allé jusque-là. C'est terminé. Au revoir. Putain, en plus, ça va vraiment reprendre juste comme ça. Allez, mission accomplie. Projet DAG, nique ta mère. Allez, va faire... Regarde cette magnifique map et tous ces jolis points d'interrogation. Tout ce qu'il y a à faire dans ce magnifique jeu. Allez, c'est bon, super. Bon, bah, les amis, c'était le jeu Éclaté 2. J'espère que vous avez passé... un bon moment de merde comme moi. Et puis hasta la vista babe. Je sais même pas si je vous dis à la prochaine, parce que voilà, je sais pas quand sera le prochain let's play, mais là là j'en ai vraiment ras le cul. C'est pas possible de continuer à faire des jeux de merde comme ça quoi. Genre il y a, enfin, je veux même pas commenter, parce que c'est tellement pas ça aurait été tellement pas compliqué de faire de ce jeu. Ça là c'est une méga bouse, et il y avait quelques trucs à faire pour que ce soit juste au moins correct quoi. C'est terrible. C'est terrible d'être des handicapés pareil. Putain, mais qui recrute pour lead sur des jeux comme ça quoi. Ça me fatigue. Bon, merci à tous, et puis ouais, allez, je vous le dis quand même pour le fun, à la prochaine quoi.